Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mindustrie, c'est le numéro 9. C'est le numéro 9. Alors on est en train de... Ah, que je me réhabitue. J'ai fait du silicium dans ce coin-là. Une petite usine à silicium. Bon, j'ai pas beaucoup de charbon. Éventuellement... j'ai du sable ici. Dans le 172, j'étais dans le 171. Il y a peut-être moyen. Là, on a du charbon. Mais on fait du... C'est pour faire du... De la pyratite. On voit qu'on pourrait détourner un petit peu de charbon pour faire du... Alors la pyratite, ça sert à cramer les trucs, hein. Pourtant, je fais du silicium ici. 1,1. Comment ça se fait que ça monte pas dans le dans l'arbre de recherche? Parce que là, pour le débloquer, silicium 400 sur 400, la grande porte, je peux la débloquer. Mais je sais plus ce qu'il y avait d'autre. La foreuse laser. Silicium 873 sur 873. Ah bah ça y est. Ah oui, non, il compte ici. Ok, doc. Oh, d'accord, d'accord. Ah oui, c'est parce que je l'avais fait en partie. Ok, bon bah je comprends. Bon bah donc là... Ouais, on a une petite usine à... Une petite usine à silicium. On est un peu juste en sable, en fait. Parce qu'au niveau charbon, c'est bon. On pourrait avoir un peu plus. Il suffirait de se raccrocher ici. Pop, pop, pop. On met de la foreuse de compète. Voilà, ça va déjà. Oh là, il y a un charbon qui est passé dedans, ça va mettre le bazar. Et voilà. Pourquoi il y a un charbon qui est passé dedans? Ah, parce qu'on est connecté ici. Ok. Alors attends. Il faut que j'enlève ça. Tac. Il faut que j'enlève celle-là. Elle met le bazar. Hop. Par contre, je peux en mettre, je peux en mettre parfaitement une ici. C'est légal. Et puis une ici. Et puis une ici. Bon, voilà, maintenant on a trop de sable. C'est bien, ça va commencer à donner un peu. Voilà, ça charge bien. Impeccable. Bon, sinon aujourd'hui on était parti pour faire Biomass Synthesis Facility, c'est bloqué. Pour faire le Craters. Menace faible, décoller. Allez, c'est parti. Et puis le Craters va nous permettre de débloquer encore de nouvelles choses. Au niveau des armes, qu'est-ce qu'on a de disponible? Faisons un petit point. Donc on a le duo. Le bon vieux duo, le bon vieux disperseur, la tourelle anti-aérienne, on a le brûleur, mais lui, il faut lui filer soit du charbon, soit de la pyratite. Donc c'est pas évident, hein, parce que la pyratite, c'est... pop, pop, pop. L'arc, c'est juste de l'électricité, et le lancier, eh ben, c'est un gros arc. Il tire plus lentement. Mais il fait tac, 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 140 de dégâts. 4 fois perçant. Alors que le petit arc, il fait 20 de dégâts. Ok, ok, ok. Les mines terrestres blessent les ennemis qui marchent dessus. Ça, ça pourrait être rigolo. Enfin, rigolo. Par contre, il faut du plomb. Du plomb et du silicium. Ouais. Ouais. Bon, et ben. J'espère qu'après on dégagera. On débloquera des trucs un peu plus cool. Allez, on est parti. Ah, on a un peu de silicium. Ouais, parce qu'on décolle depuis 172, donc on récupère un peu de silicium. Bon, c'est toujours ça. Allez. Pff.
Paf! Ouais! Alors la vague, première vague dans 2 minutes 54, on va regarder un petit peu ce qu'on a dans les alentours. On a du plomb, on a du charbon, on a du cuivre. On a encore du cuivre, du charbon. Donc première chose à faire, alimenter le noyau. Deuxième chose à faire, le défendre. On pourrait faire un premier niveau de défense ici. Je serais déjà venu faire des trucs moi ici. Je vois qu'il y a une foreuse, des petits duos. Ça me paraît étrange cette histoire. Bon, allez. Ça mange du graphite. Du graphite, on en a 2000. Parce que ça ira beaucoup plus vite. Wow, on se fait. On se fait déjà ça. Allez, je fais ma technique de boucle. C'est rigolo. Un petit routeur ici. Plop, voilà. On va faire la même chose avec le plomb. On alimente dans les trucs de base. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans le coin? Ah, il y a de l'eau. Il y a de l'eau, mais on n'a pas encore le matos. Alors, je sais pas d'où ils vont venir les trucs. Probablement de là ou là. Selon de là où ils viendront, on les bloquera ici et on fera une défense à ce niveau-là. Si c'est des rampants, si c'est des volants, ça sera plus délicat. On peut aller faire un tour. Voir où ils sont. Oh. Oh non, c'est des vestiges. Ah oui, c'est des vestiges. Et on peut les reconstruire, je crois, ce truc-là. Bon, c'est pas là. Ah, c'est là. La zone ennemie est là. Ok, d'accord. Alors, donc si on veut les bloquer, on peut venir faire un petit muret ici. Truc basique, hein. On a encore 1 minute 20. Allez, une petite. Allez. Hop, on se fait un routeur, on va se mettre un disperseur ouais, ici, un ici, oh, bah, ça va être très bien, tiens. Hop, 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 et puis classique des petits duos. Voilà. Si c'est du rampant, c'est marre. Et puis surtout, on va venir les bloquer ici, qui viennent pas passer là. Donc là, on va mettre du gros de chez gros. Tac, tac. On consomme du cuivre, hein. Hop, voilà. Alors, il y a du sable, donc on peut faire de la.
On a du sable, du charbon. On peut, donc du charbon, on peut faire du graphite. On a du sable, du charbon, on peut faire du silicium. On a du plomb, on peut faire de la pyratite. Pop, 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 pop. Mais on va attendre la première vague. Oh, c'est des volants. On les voit ici. Ah non. C'était un petit rampant. Parce que les duos, on peut un peu les améliorer en leur balançant plutôt du silicium. Alors le silicium. C'est du sable, du char plus du charbon. Là, il y a du charbon, il y a du sable. Il va nous falloir de l'électricité. Hop. Hop, 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 hop. Alors, un routeur, un routeur, un routeur. Un routeur, un routeur, un routeur. Hop, 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 hop. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. En sortie. On va sortir de l'autre côté. Jonction, jonction, jonction. Hop, hop, hop. Et hop. Voilà. C'est tout bon. Il nous faut. Tac. Un petit routeur. Un générateur. Et hop. On peut faire de la musique. Alors il y a un truc qui marche pas. Pourquoi ça a été éjecté là? Là j'ai un routeur, une jonction. Ah le routeur rebalance là. Ok. Donc il faut que je mette une jonction ici et ici. Voilà, ça sort. Donc on va les alimenter. Ah ouais, il faudrait que j'alimente les batteries de duo du coup. Donc on va remplacer ça. Ouais, bon, vas-y récupérer. Voilà. Bon, c'était la deuxième vague. Non, c'est pas grave. C'était juste la deuxième vague. Alors, si on a du charbon. On a du charbon là, on va pouvoir mettre des arcs. Va y arriver, on va y arriver. Un petit disperseur. Distributeur plutôt. On va se mettre 4 générateurs. Hop.
Lancier, on n'a pas de titane. Ah, on pourra pas mettre de lancier. Là, on bouche les trous avec ça. C'est du cuivre et du plomb, donc c'est bon. Allez, deux ennemis qui arrivent. J'ai l'impression qu'on va avoir que des rampants. Par contre, ils vont vite. Ils ont même pas atteint la truc. Alors, par contre, on voit que le mur de cuivre, il est prêt à lâcher. On va mettre un... Ah non, faut du titane pour le projecteur soignant. Bon, ben, on va mettre des gardiens. C'est plus petit. Et ça permet de soigner les trucs. Voilà. C'est bien. Un scout. Donc ça, normalement... Chaque cycle, clac, la santé augmente. Elle remonte. Plac. C'est nickel, Grom. Sinon, ouais, il n'y a pas grand chose de terrible sur ce monde, hein. Le problème de notre truc, c'est qu'on n'a pas un front très 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 grand, quoi. Alors, si ce qu'on peut prévoir, c'est si jamais ils franchissent cette barrière-là, on se fait une deuxième barrière derrière. Donc, on peut se faire peut-être des brûleurs avec de la pyratite. Et à ce moment-là, on se fait une petite usine à pyratite dans le coin. Ah, il y a trois ennemis qui se pointent. Bon. Et un petit troisième à la bourre. Pop. Pop, 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 pop. Alors, pyratite. Pyratite, il faut les trois. Il faut du charbon, du plomb, du sable. Donc, le sable, il est surtout là. On a du plomb. Ah, pas beaucoup de charbon là. On a du plomb, on a du charbon là-bas. On peut aller rechercher, hein, parce qu'on en a pas mal. Charbon, plomb, sable. Ouais, on pourrait s'installer là. Et puis après on le ramène et on se fait une barrière de brûleur ici. Donc charbon. Hop. Puis on met des plus petites pour les petits bazars. Hop. Et en faisant comme ça, on les récupère tous. On récupère celui-là, 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 celui-là. Oh, c'est cool. Donc, charbon, on va en prendre une partie pour faire marcher le truc. On va se prendre du plomb. Vestige. Et je peux la réparer? Elle coûte combien si je fais comme ça? Ah non, ça marche pas. Non, non, il veut pas. Ah! Ah bah non, il n'y a pas de... Non, non, c'est cuit. Je sais pas comment on peut le récupérer. Est-ce qu'on peut le récupérer comme ça? Ça nous rajoute du truc. Je suis à 991, 22, 17, 495. Ouais, bon, du coup, j'ai rien vu. Voilà, charbon, il arrive. Je plombe. Donc le sable est là, on va installer
Nos mixeurs à pyratite ici. Tac, 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 tac. Un petit 4. Donc, pour ramener le plomb. Et routeur, 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 routeur. On va ramener le charbon à côté. On va le ramener de l'autre côté, le charbon. Pop, pop. Pop, 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 pop. Donc on va se ramener ici. Donc on va mettre routeur, 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 routeur. Donc on va faire une jonction ici, 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 ici. Et là, normalement, ça doit marcher. Normalement, sur le papier, ça marche. Voilà, le plomb, plomb, plomb. Le charbon arrive, donc faut du sable. Hop. Extrayons le sable. Pop, pop, Ah oui, mais attends, j'ai peut-être fait un truc. On va se mettre un peu loin. Donc routeur, 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 routeur. Voilà, le sable arrive. Et pour l'extraction du truc, et ben on va sortir ici. Tac, 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 tac. Donc il va nous falloir une jonction ici, ici, ici. Là, on part. Hop. Et hop. On aura notre pyratite ici. Donc, il va falloir détourner une partie du charbon. Ça va pas cette affaire-là, non? Si, si, c'est bon. Il y a juste que on n'a pas assez de charbon. Ah, ça marche pas. Le sable marche pas. On a 4 ennemis là. Ah oui, c'est une jonction que j'ai mis. Il fallait mettre un routeur. Donc routeur, 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 routeur. Ah, ça marche déjà beaucoup mieux. Voilà la pyratite qui sort. Plop, 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 plop. Voilà, nickel chrome. Alors, on a une vague. On les a dégommés. C'est bien. Ah non, voilà encore un autre. Tchac. Prends ça. Prends ça, Marcel. Alors, la pyratite. On voulait installer des petits brûleurs. Alors on va les mettre où? C'est juste en défense de deuxième ligne, hein, au cas où les gars franchissent. Parce que je vais pas pouvoir amener le tuyau. Ah, à moins que j'arrive à passer la pyratite ici, 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 ici. Ah. C'est faisable. C'est tordu, mais c'est faisable. On peut se mettre deux petits brûleurs ici, avec un routeur. Ça permettra de tester si ça marche déjà. Hop. Hop. Une jonction. J'aime bien les trucs hyper compliqués. Pourquoi faire des trucs simples alors qu'on peut faire des choses hyper compliquées? J'adore ça.
Ilictate, comme disent nos amis anglophiles. Hop, voilà. Oh là, attends. Stop, stop. Jonction. Tac, tac. Alors les brûleurs, ils marchent avec du charbon, remarque, les brûleurs. Mais c'est que 17. Ici, par contre... ouais, jonction aussi. Jonction aussi. On veut pas alimenter ce truc-là. Ah. Bon, j'ai pété un truc. Ouais, ok. Voilà. Voilà, la piratite qui arrive. Ouais, parce que le dernier coup, les brûleurs, j'étais pas sûr qu'ils marchent. Mais ça m'étonne, parce que normalement, brûleurs, ils sont bien indiqués. Brûle les ennemis terrestres près de lui. Très efficace à courte portée. Et avec de la piratite, ils mettent 60 dégâts. 62 dégâts. Alors ce qu'il y a, c'est qu'il faut les laisser s'approcher, les gars, hein, sinon mes brûleurs, ils vont pas marcher. Les v'là. Attention. Bah ouais, non, mais laissez les rapprocher, les gars. Non, mais vous gâchez tout, là. Ici, la santé, ça morfle. Est-ce que... Attention au cuivre. Il descend beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis à 600. Ça serait dommage de tomber en rade. Vitesse de forage. Ah oui, ça fore quasiment plus là en fait. Je suis pas sûr que ça soit très très efficace mon système. Pas sûr, hein. Pas sûr du tout. C'est des essais, c'est pour faire. C'est pour rigoler. C'est pour rigoler, on rigole. Attends, y a un autre truc à cuivre ici dans le coin. On va faire un. Une barrière de débordement. Voilà. Nouvelle vague, 6 ennemis. Attends, je suis en pause. Ouais. Le problème, c'est quand les gros vont se ramener. Là, on est qu'à la 8ème, hein, c'est des petits. Ouais. Ah, les mines, attends, on va mettre des mines. Pourquoi je les ai pas, les mines? Mine terrestre. Faut du plomb et faut du silicium. Ah, c'est peut-être parce que j'ai pas de silicium. Si, j'en ai. J'ai du silicium. Pourquoi je vois pas les mines ici? C'est pas normal. Attends, c'est pas là que je voulais aller. Complété. C'est bien complété. J'ai ces 5 là. Je sais pas celle-là. Oh non, c'est étrange. Ou alors ils sont ailleurs. Mine terrestre. Ah oui, c'est dans ces trucs-là. Ok. Ils ont un peu tendance à toujours venir là. Ça coûte du silicium. On va faire un champ de mine. Et là, tu vois qu'il les contourne. Il contourne le champ de mine. Ils sont chafouins, les trucs, hein. Si vous faites ça, je vais vraiment être vénère, hein. Hop, les blocs qui arrivent. Oui, on a 9. Ah non, ils vont tout droit.
Ah ouais, mais ils y sont plus maintenant, mes mines. Ah ouais, faut que je les remette tout le temps. Bon, il va me falloir une usine à silicium, hein. Ça y est, il n'y en a plus. Alors, comment on fait du silicium? Que je regarde. Faudrait que je le connaisse par cœur, ça. C'est du sable plus charbon. Où est-ce qu'on a... On a du charbon, là. On a du sable. Hop. Ah oui, mais attends, faut le redescendre après. Ouais, j'aurais peut-être pas dû le faire ici. Ok. Donc routeur. Tac, tac, tac. Extraction du sable. Routeur. Sortie du silicium. Jonction. On amène ça à la base. Et puis ben, une partie du charbon, hauteur, petit générateur, pop, petit transmetteur, pop. Premier silicium, par où on repart? Alors attends, on va passer ouais, ici donc. Arrivée du gardien dans 10 vagues. Ah oui, bah il est au numéro 20 quoi. Le silicium. Donc là, on va passer contre ce truc-là. Donc deux jonctions. Est-ce que le double clic ou autre? Ah ouais, cool. Il marche. Ben là, on va se rebrancher là-dessus. Puisque ça amène ça directement au H-noyau. C'est impeccable. Voilà, on va avoir du silicium, on va pouvoir refaire de la truc. Ici, on voulait se blinder avec des brûleurs. On va se mettre un petit routeur. S'installe un seul brûleur. Alors attends, on met un autre routeur et on peut s'installer hop, hop, hop. Ah vache, là il y a eu du dégât. Ils sont arrivés. Ouh. Attention. Oula, ça chauffe. Oula, caramba.
Ils nous ont pété des arcs, hein. Là, c'est rigole plus, là. Et je pense qu'ils ont pété un poteau. Voilà. On va peut-être rajouter des arcs. Peut-être se rajouter des génératrices. Elles étaient là, hop. Faut juste les connecter après. Non, non. Voilà. On va remettre des mines. Je vais pas avoir assez de silicium. Ah, je me suis fait descendre. Ah, les salopios. Ça coûte combien? 12. Il me faudrait beaucoup plus de silicium. Ah, ici j'avais une usine, mais c'est le charbon qui a la peine. Le charbon. Est-ce qu'il y aurait d'autres sources de charbon que je pourrais ramener ici? Hop. Allez, une nouvelle vague. Ah non, j'ai pas de titane. Ouais, j'ai pas de titane, donc... Alors attention, plus... Plus on augmente ici, plus faut aussi penser à venir augmenter là, sinon il va venir se pointer là. Parce qu'il va au plus facile. Et comme là, il n'y a aucune défense... C'est dommage, il y a du charbon là. Lui, il nous répare ce mur-là. J'ai presque pu mettre un gardien plus près, non? Hop. Est-ce qu'on se... Bon, on va attendre cette vague-là, puis on va peut-être blinder une petite défense au niveau du noyau. Il commence à péter le...
Hop. Ouais. Alors, déjà ici, petite jonction là, un petit routeur là. Et puis on va se mettre un distributeur et donc du brûleur. Au moins ça arrose tout le coin là, jusqu'ici. Ouais. Là c'est moins évident. Et on va coupler ça avec un duo armé avec du silicium. Alors ici, pourquoi ça produit plus? Ah oui, parce qu'on a. Ok, ouais. On a tout qui est plein. Donc limite, attends, en débordement. Quoique ça déborde pas tant que ça. Mais là, ça va finir. Clac. Barrière de débordement. On va envoyer ça. Ici, et puis là, je vais faire plus de. Comme d'hab, il nous dégomme les trucs. Terrestre 233, je peux en mettre quelques-unes. Ça coûte 12, hein, donc ouais. Donc là, et puis là, je vais mettre une série d'arcs. Quoique non, les arcs. Non, j'ai pas besoin de distribuer. Les arcs, faut juste un petit panneau là. Comme ça, et. Deuxième vague. Ah, ils ont à moitié explosé sur les mines. Voilà, nickel. Là, ça va se réparer. C'est pas mal les mines, hein. C'est très très bien. Par contre, 134. Est-ce que je garde pour le boss final? Je produis pas assez. Faut à la limite le surplus que j'ai là, puisque je suis en débordement, je l'envoie en bas. Puisque là je produis mais il sert à rien. Donc on va faire une barrière de débordement ici en sortie. On l'extrait là. On repart vers le sud. On met une jonction. Hop. Hop, hop. Et on rejoint. Ça va continuer de produire. Alors pourquoi celle-là? Ah oui, parce que là c'est plein, donc celle-là sort pas. Voilà, maintenant elle va sortir. Alors coince avec le sable.
sais pas s'il vaut mieux mettre des gros que des petits. C'est la même santé. Mais peut-être qu'ils s'usent moins vite. C'est-à-dire qu'après, s'ils arrivent à franchir. Le problème, c'est que là, ils vont passer là-dedans, quoi. Ça, c'est des vrais gruyères. Tac, 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 tac. On va être vite fixé. Bon, j'envoie pas mal de... J'ai 190. On s'en remet quelques mines terrestres. Un petit quadrillage comme ça. Arrivée du gardien dans deux vagues. Weps, on est au courant. Donc cela c'est gérable. Le gardien, il me fait peur. Un petit peu peur le gardien. Ah, générateur à combustion? Attends. Ressources requises, charbon, pyrrhatite. Ah, on pourrait, au lieu de mettre un... Une jonction, on pourrait mettre un routeur. Alors, faut juste mettre après une jonction ici. Faut pas que ça parte vers le bas. Et hop, il consomme notre pyrrhatite, le truc. Plop, plop, plop. Et là, oh, énergie produite. On va se rajouter des arcs. Alors, on va le savoir que le gardien, elle arrive, hein. Ah, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps. Il nous a fait des dégâts là? Ah oui, il nous a pété un arc. Et du coup, il prend plus le charbon. Mais bon, la pyrrhatite, ça va, ça fournit. Hein. Ça va, ça va, ça va. Bon, dernier, là, le boss. Bon, j'espère que ça va passer. Ah oui, j'ai pas, je voulais blinder le cœur. Je l'ai pas fait. Parce qu'il n'y a rien là-haut. Si jamais il passe, ici, il n'y a rien pour défendre le cœur. Hein. Ah si, il y a deux duos ici. Bon, on va bien voir. On va bien voir. C'est un pari risqué. Mais on a peur de rien. Nous sommes prêts. Allez, viens, viens. Attendez, hop. Oui, ça y est, je sais ce que j'ai oublié. Les mines.
C'est 414, je m'étais réservé exprès pour ça. Il reste 2 secondes. Blood Guardian! Oula! Il s'est mis sur le côté, le cochon. Bon ben voilà, c'est fait. Allez, on va réparer les trucs. Bon, il était pas si terrible que ça, ce gardien. Petit gardien de rien du tout. Je rajoute mes défenses pétées. Je crois que les brûlures ont servi à rien. C'est bon. Bah, c'est tout ce qu'il y avait comme dégâts, quoi. Tranquille, peinard. Non, non, pas de problème. No problemo. Bon, éventuellement, faudra venir peut-être refaire une petite défense autour du noyau. C'est hein on essaiera d'y penser pour le prochain coup. Au prochain coup, au cas où. Au cas où, au cas où, cas où, cas où. Alors, on va regarder. Au niveau recherche qu'on a débloqué. Ah, on a la grêle qui marche où? Clac! Alors la grêle, la grêle, la grêle. Petite tourelle d'artillerie visant les ennemis terrestres. Efficace à longue portée. Ah oui, portée 29. Munitions graphite, silicium, 33 de dégâts. Ou piratite, 45 de dégâts. Pop, 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 pop. Pas mal la grêle. Pas mal, pas mal, surtout de loin. Donc on peut les mettre en arrière-plan. Ah oui, joli. Et puis la salve. Une version plus grande et améliorée de la tourelle duo. Ah. Oui, parce qu'elle marche. Donc. Elle doit marcher sur les terrestres et les. Par contre, faut du titane pour la fabriquer. Alors, cuivre, 11, graphite, 20, silicium, 15, piratite, 18. Ce qui serait bien, c'est de leur balancer du graphite, quoi. Graphite, c'est du charbon, hein. Par contre, ça ralentit la vitesse de tir, le graphite. Ah oui, c'est pas cool, ça fait ça à chaque fois. On peut éventuellement balancer du silicium, hein. Il y a des boosters hauts, mais je crois qu'on n'a aucune pompe. On n'a pas de moyen encore de récupérer la flotte. Il n'y a pas de pompe à eau, des trucs comme ça. J'ai pas l'impression. Derrière, on a le percuteur. Lance des amas d'obus sur les ennemis terrestres sur de très longues distances. On a tout ce qu'il faut pour le construire. Allez, on le débloque, hein. Le percuteur. Ah oui, c'est une unité 3 sur 3. 33 dégâts de zone. Ah oui, ça fait sur plusieurs blocs. Armé au graphite ou au silicium. Voire le plastanium, le mélange explosif. Oh, il nous faut ça, il nous faut ça. Ah vache, le percuteur. Oh là, il va pas falloir nous pousser. Là, il va pas falloir pousser. Grande porte, j'avais déjà. Bah, on a dégagé des armes, en fait. Hein. Ah, four à verre. Fait fondre le sable et le plomb en verre trempé. On va le débloquer. Convoyeur en titane. Convoyeur avancé. Déplace les objets plus rapidement que les convoyeurs standards. Convoyeur de charge utile. Ce grand convoyeur peut déplacer des gros chargements comme des unités depuis leurs usines ou bien des containers. Ah. On débloque. Routeur de charge utile. Distribue les chargements qui entrent jusqu'à 3 directions différentes. Alors ça, il faudrait qu'on le débloque, ces fameux trucs-là. Poignard, unité, usine d'unité aérienne. Du coup, on a les flares, tire des balles normales aux cibles terrestres. Bon, on va essayer de jouer avec ça le prochain coup. Hein. Les unités terrestres, il y a des rampeurs qui courent vers un ennemi proche pour s'autodétruire causant une large explosion. Oh ouais, c'est sympathique ça. Ah, on va manquer de charbon les gars. On va manquer de titane.
Bon, on va pas pouvoir tout débloquer aujourd'hui. Va falloir faire tourner les machines. Ok, Dak. Bon, on a tout débloqué sinon. Bon, la grande porte, où on n'aura pas assez de titane. Faut faire tourner, turbiner les machines là. Faut pas venir ici. Le titane, il y en a qu'à un endroit. Du coup, j'ai dû débloquer autre chose, non? Overgrowth. C'est toujours bloqué ces trucs-là. Ah non. Ouais, parce qu'on les voit ici en fait. Ground Zero, Frozen Forest. Ah, faut rechercher la pompe mécanique pour le débloquer. Rechercher générateur à turbine. Oh, capturer Fungal Pass. Cultivateur. Oh, c'est Presast Port. Oh, c'est marrant, dis donc. Ok, donc, générateur à turbine. Et on l'a pas ça, le générateur à turbine? Ah si. Voilà. Du coup, générateur à turbine, je l'avais pas vu. Du coup, j'ai un nouvel endroit. Biomass Synthesis Facility. C'est là qu'on ira le prochain coup. Mais il faut qu'on se refasse une petite santé au niveau. Donc c'est là qu'il y a le titane. Ouais, du titane, j'en ai qu'à un seul endroit, c'est au 171. Et elle est ici ma presse ma mine à titane. Bon, ici j'ai fait une bêtise. Ça va tout rebloquer là-bas. Ah, ah, ah. Tu sais quoi? Ça va vers le noyau. Eh ben, on va se mettre là. T'en charger d'un côté. Alors éventuellement, on peut mettre un petit routeur ici. Hop, ça part d'un côté, ça part de l'autre. Plop, 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 plop. Bon, on a bien chargé le côté plomb. Éventuellement, on met un autre routeur ici. Ah, on va pouvoir tester les convoyeurs en titane, remarque. Est-ce que ça va réellement plus vite? Vous avez vu cette accélération là? Trop top cool. Faut juste du titane quoi. Faut juste un petit peu de titane. Ok, Dak. Et ben là-dessus, on va se laisser. Et puis, et ben, on verra bien ce qu'on fera pour la prochaine. On a de nouvelles armes à utiliser. Et puis, ben, on essaiera le biomasse machin chose. Voir un peu ce que ça peut nous donner. Voilà. Et ben là-dessus, je vous souhaite une bonne continuation. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!